pas mourir du coronavirus. Non, ma chérie, tu vas pas mourir. Ton père exagère, tu sais bien. Mais pas du tout. Ça commence par un petit rhume, une grippette, puis après ça descend sur les poumons comme ça, ça t'attrape, ça te serre, tu peux plus respirer. Et tu meurs et tout. Non, non, Martin, stop, arrête là. Non, non. Non, 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 non. Non, non, attends, je n'ouvre pas. C'est le Covid. Les enfants, ils vont pas y... Faut que tu reviennes, c'est le bordel ici, les devoirs, la bouffe, la concierge va plus. Je sais pas ce qu'elle fout, moi, d'ailleurs, cette conne. Je suis Diego, le mari de Paola, la concierge. Oui, je sais. Tous dans le même immeuble, on sait même pas comment on s'appelle. Moi, c'est Agathe, chanteuse, donc. Ah, vous connaissez les chansons? Ah ouais, par cœur. L'isolation est tellement bonne dans l'immeuble, on se régale tous les jours. L'alcool qui a petit feu, tant mieux, on n'est pas pressé. Et je change. Ça pourra pas te faire de mal, au pire, ça désinfecte. Oh, mon Dieu. Putain, tu sais que t'es pas content. Avec la pénurie de gel hydroalcoolique, on va se faire des couilles en or. Donnez, docteur. Il aimerait bien avoir des masques. Il y en a plus, il y a pénurie. Et que tout le monde soit testé aussi. Pourquoi faire? Ça fait peur à les meubler. C'est long, hein? C'est dingue, faut qu'il y ait un virus pour qu'on se rencontre enfin. Quoi? Monsieur, je vois pas votre visage là. Il faut... Ah, c'est mieux là. Meuble de taré.